J'ouvre la lentille et je laisse entrer la vie. Et je prie pour qu'elle s'imprime sur le négatif du film. J'ai rencontré Lila Moser, un photographe new-yorkaise, en 1992. Elle est venue à Montréal pour me montrer son portfolio de photos. Elle avait pris plus de 1000 photos en noir et blanc de ma province, le Québec, durant l'été 1950, alors qu'elle voyageait en voiture le long du fleuve Saint-Laurent. Ces photos étaient exquises, lyriques, idylliques, les unes plus belles que les autres, et son histoire était fascinante. Les faits étaient encore plus incroyables que la fiction. Quand on est photographe, la caméra vous ouvre des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir seule. Vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais normalement rencontrés. C'est une clé qui donne accès à tant de situations. Et j'adore ça. Elle a réussi à capturer l'essence même des personnes qu'elle a photographiées. Elle a laissé des images photographiques d'une beauté saisissante.